tête sur sa tête, ayant un pot au lait, bien posé. Oh! Oh, mesdames, messieurs, vous êtes déjà là? Oh, j'étais en train d'écrire une de mes fables et je n'ai pas vu le temps passer. Oh, je suis désolé. Permettez-moi de me présenter. Jean de La Fontaine pour vous servir. Auteur, entre autres choses, de quelques fables qui, m'a-t-on dit, ont traversé les siècles pour venir jusqu'à vous avec un certain succès. Ce qui, pour un auteur mort, est toujours flatteur. Mais par un étrange effet de la nature, me voici devant vous à Versailles, alors que je n'y ai jamais mis les pieds de mon vivant. Le roi ne m'a jamais invité. Mais enfin, me voilà donc à Versailles pour fêter mon 400e anniversaire. Et je... Merci, merci. ans. Je ne les fais pas, hein. Et c'est ça qui est bien. Et donc, nous allons donc fêter mon 400e anniversaire avec de très belles chansons par notre belle Marion, de la musique de mon époque avec mes amis musiciens et quelques-unes de mes fables. J'eusse aimé vous les faire toutes. 243. Mais enfin, il paraît que vous êtes pressés, que vos carrosses vous attendent. Alors nous allons commencer très très vite par une de mes fables les plus célèbres, que vous connaissez tous, La cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt est principal. » La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là, oh, son moindre défaut. « Que faisiez-vous autant chaud ?» dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. »« Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. » Pendant l'été, chantez pour nous sautes. Pendant l'été, on la voit dans l'oisille.
Il revient de la chasse. Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléché, lui tint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau, sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit, « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Et... Oh,
De mon accessoire. Perrette, sur sa tête ayant un pot au lait, bien posé sur un coussinet, prétendait arriver sans encombre à la ville. Légère et courvêtue, elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats. Notre laitière, ainsi troussée, comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait. En employait l'argent, achetait un sang d'œuf, faisait triple couvée. La chose allait à bien par son soin diligent. « Il me, disait-elle, facile d'élever des poulets autour de ma maison. Le renard sera bien agile s'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon. Le porc à s'engraisser coûtera peu de son. Il était, quand je l'eus, de grosseur raisonnable. J'aurai, le revendant, de l'argent bel et bon. » Et qui m'empêchera de mettre en notre étable, vu le prix dont il est, une vache et son veau que je verrai sauter au milieu du troupeau?
Perrette là-dessus sont aussi transportées. Le lait tombe, adieu, veau, vache, cochon, couvée. La dame de ses biens, quittant d'un œil mari, sa fortune ainsi répandue, va s'excuser à son mari en grand danger d'être battue. Le récit en farce fut fait. On l'appela, le pot au lait. Quel esprit ne bat la campagne? Qui ne fait châteaux en Espagne? Picrocole, Pyrrhus, la laitière, enfin tous, autant les sages que les fous. Chacun songe en veillant, il n'est rien de plus doux. Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes. Tout le bien du monde est à nous, tous les honneurs, toutes les femmes. Quand je suis seul, je fais au plus brave un défi. Je m'écarte, je vais détrôner le Sophie. On m'élit roi, mon peuple m'aime, les diadèmes vont sur ma tête pleuvant. Quelque accident fait-il que je rentre en moi-même? Je suis Gros-Jean comme devant. Thank you.
Le rat qui s'est retiré du monde. Les Levantins, en leur légende, disent qu'un certain rat, lors des soins d'ici-bas, dans un fromage de Hollande, se retira loin du tracas. La solitude était profonde, s'étendant partout à la ronde. Notre ermite nouveau subsistait là-dedans. Il fit tant de pieds et de dents qu'en peu de jours il eut au fond de l'ermitage le vivre et le couvert. Que faut-il davantage? Il devint gros et gras. Dieu prodigue ses biens à ceux qui font vœu d'être siens. Amen. Un jour, au dévot personnage, des députés du peuple rat s'en vinrent demander quelque aumône légère. Ils s'en allaient en terre étrangère chercher quelque secours contre le peuple chat. Ratopolis était bloqué. On les avait contraints de partir sans argent, attendu l'état indigent de la République attaquée. Ils demandaient fort peu, certains que le secours serait prêt dans 4 ou 5 jours. « Mes amis, dit le solitaire, les choses d'ici-bas ne me regardent plus. En quoi peut un pauvre reclus vous assister? Que peut-il faire que de prier le ciel qu'il vous aide en ceci? J'espère qu'il aura de vous quelques soucis. » Ayant parlé de cette sorte, le nouveau saint ferma sa porte. Qui désignais-je, à votre avis, par ce rat si peu secourable? Un moine? Non, mais un dervis,
je suppose qu'un moine est toujours charitable. Et les deux compagnons. Deux compagnons, pressés d'argent, à leur voisin fourreur vendirent la peau d'un ours encore vivant, mais qu'ils tueraient bientôt, du moins à ce qu'ils dirent. C'était le roi des ours au compte de ses gens. Le marchand à sa peau devait faire fortune et le garantirait des froids les plus cuisants. On en pourrait fourrer plutôt deux robes qu'une. D'un de nos prisait moins ses moutons que leur ours, leur à leur compte, et non à celui de la bête. S'offrant de la livrer au plus tard dans 2 jours, ils conviennent de prix et se mettent en quête. Trouvent l'ours qui s'avance et vient vers eux au trot. Voilà mes gens frappés comme d'un coup de foudre. Ah, le marché ne tient pas, il fallut le résoudre. D'intérêt contre l'ours, on n'en dit pas un mot.
L'un des deux compagnons grimpe au faîte d'un arbre. L'autre, plus froid que n'est un marbre, se couche sur le nez, fait le mort, tient son vent. Ayant quelque part ouï dire que l'ours s'acharne peu souvent sur un corps qui ne vit, ne meut, ni ne respire. Seigneur ours, comme un sot, donna dans ce panneau. Il voit ce corps gisant, le croit privé de vie, et de peur de supercherie, le tourne, le retourne, approche son museau, sent au passage de l'haleine, « Oh, c'est, dit-il, un cadavre, ôtons-nous, car il sent !» À ces mots, l'ours s'en va dans la forêt prochaine. L'un de nos deux marchands de son arbre descend, court à son compagnon, lui dit que c'est merveille, qu'il n'ait eu seulement que la peur pour tout mal. « Eh bien, ajouta-t-il, la peau de l'animal. Mais que t'a-t-il dit à l'oreille ? Car il s'approchait de bien près, te retournant avec sa serre. Il m'a dit qu'il ne faut jamais vendre la peau de l'ours, qu'on ne l'ait mis par terre. Eh oui. De casse-cou manqué de gens et sans visage dans les vendres, la peau d'un ours ambulant qu'il s'engage. Thank you.
La cour du lion. Sa majesté lionne un jour voulut connaître de quel nacillon le ciel l'avait fait maître. Il manda donc par député ses vassaux de toute nature, envoyant de tous côtés une circulaire écriture avec son sceau. L'écrit portait qu'un mois durant, le roi tiendrait cour plénière dont l'ouverture devait être un fort grand festin suivi des cours de fagotin. Oh! Par ce trait de magnificence, le prince à ses sujets étalait sa puissance. En son Louvre, il les invita. Oh! Quel Louvre! Un vrai charnier dont l'odeur se porta d'abord au nez des gens. Oh. L'ours boucha sa narine. Il se fut bien passé de faire cette mine. Sa grimace déplut. Le monarque irrité l'envoya chez Pluton faire le dégoûté. Le singe approuva fort cette sévérité et, flatteur excessif, il loua la colère et la griffe du prince et l'antre et cette odeur. Il n'était ambre, il n'était fleur qui ne fût taille au prix. Sa sotte flatterie eut un mauvais succès et fut encore puni. Ce monseigneur du Lion-là fut parent de Caligula. Le renard étant proche, « Or ça !» lui dit le sire. « Que sens-tu ? Dis-le-moi, parle sans déguiser. » L'autre aussitôt de s'excuser, alléguant un grand rhume. Ah. Il ne pouvait que dire, sans odorat. Bref, ils s'en tirent. Ceci vous sert d'enseignement. Ne soyez à la cour, si vous voulez y plaire, ni fade adulateur, ni parleur trop sincère, et tâchez quelquefois de répondre en normand. Bouche à sa narine, c'était une.
Le chêne un jour dit au roseau: vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr. Encore si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez point tant à souffrir, je vous défendrais de l'orage. Mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature pour vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel, mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos, mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon, accourt avec furie le plus terrible des enfants que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie, le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Je t'en prie, de la chaîne aux os.
la tortue et les deux canards. Une tortue était à la tête légère qui, lors de son trou, voulut voir le pays. Volontiers, ils ont fait cas d'une terre étrangère. Volontiers, Jean Boiteux haïssent le logis. Deux canards à qui la commère communiqua ce beau dessein lui dirent qu'ils avaient de quoi la satisfaire. « Voyez-vous ce large chemin? Nous vous voiturerons par l'air en Amérique. Vous verrez maintes républiques, maintes royaumes, maintes peuples, et vous profiterez des différentes mœurs que vous remarquerez. » Ulysse en fit autant. On ne s'attendait guère de voir Ulysse en cette affaire. La tortue écouta la proposition. Marché fait, les oiseaux forgent une machine pour transporter la pèlerine. Dans la gueule, en travers, on lui passe un bâton. « Serrez bien, dirent-ils, gardez de lâcher prise. » Puis chaque canard prend ce bâton par un bout. La tortue enlevée, on s'étonne partout de voir aller en cette guise l'animal lent et sa maison, justement au milieu de l'un et l'autre oison. « Miracle ! » criait-on, « venez voir dans les nues passer la reine des tortues. » « La reine, vraiment oui, je le suis en effet, ne vous en moquez point. » Elle eut beaucoup mieux fait de passer son chemin sans dire aucune chose, car lâchant le bâton en desserrant les dents, elle tombe et le crève aux pieds des regardants. Son indiscrétion de sa perte fut cause. Imprudence, babil et sotte vanité et vaine curiosité ont ensemble étroit parentage. Ce sont enfants tous d'un lignage. L'animal, dit-on, porte sa maison sur son chignon et dans le corps n'est ni chair ni poisson. L'animal, dit-on, qui porte sa maison sur son chignon et dans le corps n'est ni chair ni poisson. Bref, d'homme pendule, de chacun connu, par sa façon d'aller plus t'apprendre à voler. Bref, d'homme pendule, de chacun connu, par sa façon d'aller plus t'apprendre à voler. Innocente donc à l'apprendre une leçon d'un maître aimant dans ce métier oiseau de grand renom. L'innocente donc à l'apprendre une leçon d'un maître aimant dans ce métier oiseau de grand renom. Lui demande d'en rire et puis de lui dire si c'est de vous trouver vous ne pouvez que ramper. Lui demande d'en rire et puis de lui dire si c'est de vous tromper. Votre destin, quittez votre dessein, il est trop vain et trop mouvant, trop dangereux enfin. C'est votre destin, quittez votre dessein, il est trop vain et trop nouveau, trop dangereux enfin. Mais dans le tordu de chacun connu, pas sa façon d'aller, voulu t'apprendre à voler. Mais dans le tordu de chacun connu, pas sa façon d'aller, voulu t'apprendre. Là de ses propos, l'oiseau lui dit c'est mon avis au son, à vos périls, mettez-vous sur mon dos. Là de ses propos, l'oiseau lui dit c'est mon avis au son, à vos périls, mettez-vous sur mon dos. Donnez la garde, plus haut que le bande, et puis la plante l'a jugé comme elle vola. Donnez la garde, plus haut que le bande, et puis la plante l'a jugé comme elle. J'ai vu mon chagrin encore plan du moulin à l'engrotrin bien regrimpé, dégringolé soudain. J'ai vu ma faquin encore plan du moulin à l'engrotrin bien regrimpé, dégringolé soudain. Comme la tordue, follement têtue, qui pour dégringoler voulut
Le lièvre et la tortue. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point sitôt que moi ce but. Sitôt ? Êtes-vous sage ? Repartit l'animal léger. « Ma commère, il vous faut purger avec 4 grains d'élébore. »« Sage ou non, je parie encore. » Ainsi fut fait. Et de tous deux, on mit près du but les enjeux. Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire, ni de quel juge l'on convainc. Notre lièvre n'avait que 4 pas à faire. J'entends de ce qu'il fait lorsque, près d'être atteint, il s'éloigne des chiens, les renvoie aux calandes et s'en va à reporter les landes. Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter, pour dormir, pour écouter d'où vient le vent, il laisse la tortue aller son train de sénateur. Elle part, elle s'évertue, elle se hâte avec lenteur. Lui, cependant, méprise une telle victoire, tient la gageure à peu de gloire, croit qu'il y va de son honneur de partir tard. Il broute, il se repose, il s'amuse à toute autre chose qu'à la gageure. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au bout de la carrière, il partit comme un trait. Mais les élans qu'il fit furent vains. La tortue arriva la première. « Eh bien !» lui cria-t-elle. « Avais-je pas raison ? De quoi vous sert votre vitesse ? Moi, l'emporter. Et que serait-ce ? Si vous aviez une maison. Ah, ben j'ai bien eu tes fils la tête. Et on va rentrer maintenant, hein, je sais pas tout ça. Eh ben jouez donc, vous les petits jeunes là. Oh, mais qu'est-ce qu'ils font? Ah, c'est pas fou. Hein. Se rend plutôt en bête que la lavande.
Dernière, très courte. La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien, ma sœur, est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je point encore? » Nenni, m'y voici donc! Point du tout, m'y voilà! Vous n'en approchez point. La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des parts.